Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. En cette date d'aujourd'hui, vendredi 20 avril 2018, voilà, pratiquement 11h, voilà, beaucoup à ma montre, en route, n'est-ce pas, pour la ville de Orléans. Voilà, je pars juste rendre visite aux enfants spirituels de la ville d'Orléans. Voilà, nous allons justement pour une œuvre missionnaire à Orléans. Voilà, à Orléans et tout ça. Et je vous informe que demain, je serai à Bruxelles. Demain, je serai à Bruxelles. Je serai à Bruxelles demain. Voilà, et je bossais en privé. Aider des personnes avant la croisade de Bruxelles. Parce que la croisade de Bruxelles, la date de la croisade de Bruxelles, c'est du 1er au 2 juin. Voilà, c'est du 1er au 2 juin. Mais pour là, je pars pour des affaires personnelles et en même temps aider d'autres familles. Donc ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, se joindre à ces familles, voilà, pour les entretiens privés, c'est à partir, n'est-ce pas, du dimanche, parce que demain je rentre à Bruxelles, demain samedi, je serai en Belgique. Et ceux qui aimeraient vraiment intervenir, nous appeler Maman Bessoura, uniquement que Maman Bessoura, il me fera le retour, voilà, n'est-ce pas, de vos entretiens dans les familles en privé, tout ça. Sinon, tout va bien. Je serai demain en Belgique. J'arrive demain en Belgique pour les affaires personnelles concernant Baruch. Voilà. Et mais en même temps, j'aurai l'occasion de faire des visites privées. Je quitte Bruxelles le lundi. Voilà. Je quitte Bruxelles mardi. Et mardi, je serai en Allemagne. Je pars aussi en Allemagne pour les trucs privés. Et à Bruxelles, j'aurai aussi une rencontre avec le comité d'organisation. Pour voir comment, n'est-ce pas, le programme, voilà, donne-leur aussi des idées par rapport à l'organisation, n'est-ce pas, du programme de Bruxelles. C'est à partir du 2, le 1er ou le 2 juin. Voilà, donc, mais en même temps, tous ceux qui voulaient me rencontrer à Bruxelles, voilà, vous appelez Maman Bessoura, c'est uniquement qu'elle, voilà, pour dire, ah, on est d'accord que le prophète nous rend visite, mais ça sera dimanche. Ça sera dimanche. Et j'aurai aussi une réunion avec le comité d'organisation. Voilà, par rapport. Demain, samedi, ce n'est pas possible que je reçoive des gens, mais dimanche possible. Voilà, donc je quitte Belgique le mardi pour l'Allemagne. Voilà, en Allemagne, aller aussi pour un truc privé, aider des personnes en difficulté. Et je serai de retour jeudi sur la France pour le grand programme qui va démarrer à partir du 27. Vendredi 27 et vendredi et samedi 28 à Vitry-sur-Seine. Voilà, donc j'aurai l'occasion de recevoir toutes les délégations. On aura une réunion samedi, déjà une réunion. Samedi déjà une réunion, pardon, autant pour moi. Jeudi soir déjà une réunion. Jeudi soir une réunion à partir de 21h, organisée par le prophète que je suis. Je vais recevoir toutes ces personnes pour un dîner. Voilà, ces personnes qui arrivent du Canada, dont Raoul, pas de souci, vous venez du Canada. Et la délégation, ceux de Paris, voilà, ceux de Paris, ceux qui aimeraient vraiment faire partie de du comité d'organisation. Voilà, donc vous rentrez dans le groupe, vous appelez Maman Bessoura, je vais vous recevoir, j'organise un dîner. Voilà, les lieux seront situés au téléphone, on ne dira pas, mais ceux qui aimeraient, on va vous appeler pour qu'on vous soutienne. Déjà pour la mise en place de l'organisation du programme de Paris. Une délégation arrive d'Italie, une délégation arrive, n'est-ce pas, de différents pays. Voilà, donc gloire à Dieu, on aura l'occasion de parler. Voilà, tous les enfants spirituels, et ce n'est pas une question des enfants spirituels, tout Paris doit sortir. Voilà, ici les gens de Paris, là, de France, là. Vous tous qui avez des kikis qui ne se lèvent plus, là. Venez. Hein? Venez au programme, on va délivrer ça. Voilà. Par là, toujours dans le fait des foyers, là. Venez. L'onction viendra vous désactiver la bouche. Voilà. Bonjour, je suis là, doté. Shalom. Vous qui avez la bouche, lance. Par là, toujours lance au requin. Par là, toujours dans le foyer. Par là. Ouais, shalom, mon fils. Bien arrivé du Cameroun, voilà. Vous faites pas là dans les foyers, on va vous désactiver. Il y aura une onction spéciale sur le programme.
n'est-ce pas, une propagande. Les gens de Paris, c'est des menteurs. Cet esprit-là, il faut qu'on chasse ça de votre vie. Les gens ne sont pas sérieux. C'est vrai, la plupart, je précise très bien, je préfère dire la plupart, sont ceux qui ne sont pas sérieux. Je ne sais pas pourquoi Paris, c'est comme ça, mais le mot Paris veut dire parier. Donc ici, c'est la loterie. Ici, là, c'est la loterie. À Paris, c'est la loterie. Donc, tu peux monter un coup et descendre un coup. Tu peux monter un coup et comme descendre un coup. Il y a des gens qui commencent, il y a des gens qui viennent, n'ont rien. Et puis, à un moment, pouf, ça perd pour eux. Et puis, à un moment, ça peut chuter. C'est la loterie, parce que parier, ça veut dire la loterie. Sauf ça, il y a beaucoup qui se donnent aux jeux, n'est-ce pas, au loto. J'ai un homme, un frère qui disait, « Prophète, pardon, prie pour moi, parce que j'ai joué au loto. S'il y a des millions, je te donne mon métier. » J'ai dit, « Je ne prie pas pour toi. Je ne suis pas là pour prier. Les jeux d'hasard, je ne suis pas dedans. » Dieu n'est pas dans les hasards. Ce qui t'appartient, tu reviendras un jour. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans les histoires des jeux d'hasard. Si tu viens me voir pour que je prie pour toi, pour que tu gagnes au loto, tu es mal barré. Voilà, tu es mal barré. Je ne prie pas pour les gens pour aller jouer au jeu d'hasard. Non, je ne suis pas dedans. Voilà. Dieu ne nous a pas dit de faire. Dieu nous a dit de travailler. Si tu veux faire des affaires, ok, il n'y a pas de souci. Je peux t'aider à aller entrer dans les affaires. Je peux prier pour toi pour que les sorciers... Il y a cette onction-là. Ça ne se discute pas. Il y aura une onction terrible si cette croisade. T'imposer les mains, le sorcier qu'au village va tomber. Il va tomber depuis le village. Il va parler. Non, je voulais tuer, c'est moi qui voulais le tuer depuis la France. On va brouiller leur aéroport. On va brouiller leur système de contrôle qui te contrôlait depuis l'Europe. Ils allons brouiller ça. Frère, Dieu appelle les gens, il leur donne une notion spéciale. Moi, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, c'est une notion que Dieu m'a donnée. Je ne suis pas là pour babader, babader, babader. Moi, je ne suis pas dans les discours. Je ne suis pas dans les discours. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Je rentre dans les villages, je mate la sorcellerie. Donc, il y a une notion spéciale là. Nous sommes allés à Bovi dans un village. Les sorciers avaient caché les choses, machettes, miroirs, des choses. On a détruit ça. J'ai eu la vision. C'est ça. Moi, je mets la source. Voilà. Je suis l'homme de Dieu qui va jusque dans les villages. Voilà, détruit le dragon qui mange les gens dans la termité. Il dit, voici le problème que vous avez, c'est de ce dragon-là. Il est caché. Tout le monde vient, on regarde. Et je détruis, je tue le serpent devant tout le monde. C'est une onction spéciale, frère. Voilà, je ne suis pas là pour... Voilà, Dieu m'envoie ici en Europe pour vous délivrer. Pour briller les caméras mystiques. Tous les systèmes de contrôle. Il y a des opportunités, il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater ça. Frère, on dit comment délivrer, comment détruire la sorcellerie et venir investir en Afrique. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme d'investissement, c'est l'Afrique. Les Blancs, ils savent ça. Tout l'Occident sait. Les Américains savent que la plateforme d'aujourd'hui d'investissement, c'est l'Afrique. Il faut que l'Afrique, il faut que Dieu vous délivre et pour que vous puissiez venir investir en Afrique. Parce que, frère, il faut préparer ton avenir. C'est ça aussi le problème, il faut préparer ton avenir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a inspiré selon son esprit, le Saint-Esprit, pour mettre une entreprise en place qu'on appelle Barou, pour ceux qui aimeraient acheter une maison en Côte d'Ivoire, ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, acheter, n'est-ce pas, une villa, un terrain, ceux qui aimeraient investir dans des affaires, dans les minières, n'est-ce pas, dans l'or, dans les diamants, ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, investir dans beaucoup de domaines, en fruitfest, de coquilles, ceux qui aimeraient aussi faire aussi des plantations, des champs, de coquilles. Parce qu'il faut que vous soyez délivrés. Et cette rencontre-là, nous allons prier pour que la sorcellerie vous lâche et que le pouvoir de la sorcellerie vous libère dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire tomber les baobabs. Cette rencontre-là, c'est pour faire tomber tous ceux qui sont contre vous. Aujourd'hui, il y a des gens, ça ne fonctionne plus. Excusez-moi pour l'expression, mais on appelle ça kiki dans nos français. Ça ne s'élève plus. Et ça, c'est un problème dans un foyer. Si ça là, ça répond plus, ah mon frère, la femme là même c'est la spirituelle, elle va te bouder de temps en temps. Parce que c'est pas ta petite sœur. C'est pas petite sœur. Ah, c'est comme ça. Elle va te bouder. Elle va se fâcher. Parce qu'elle va vouloir que tu lui donnes, hein, ce qu'elle a besoin. Et si tu lui donnes pas ça, frère,
y a beaucoup de gens qui ont ce problème ici à Paris. Ça ne se lève pas trop. D'autres même, c'est mort. Venez, on va vous délivrer de ça. Venez, pour que vous allez avoir la joie dans le foyer. Jésus, qu'il est venu annoncer de Canaan. On dit le vin ayant manqué. Le vin, c'est symbole de joie. Jésus a transformé l'eau en vin. Je vais traiter ça. Je vais traiter le problème. Là, vos histoires, ici à Bengue et à Paris, ici, ça ne s'élève plus. Ouais, on va régler ça. On va régler ça. Amenez tous ceux-là. On va les délivrer de ça. Et puis vous qui êtes infidèles à vos femmes. C'est ça aussi. Vous qui êtes infidèles à vos maris. On va vous délivrer de ce temps. Et là, ceux qui, n'est-ce pas, ça fait longtemps que tu n'as pas de papier. Peut-être le sorcier t'a pris quand il t'a mis dans Kanumba. Il t'a caché là-bas. Il t'a récupéré, il t'a enfoncé là-bas. Il t'a enfoncé et tout droit. Viens, on va. Il va te déféquer. Tu vas sortir de l'anus, sorcier. Tu vas sortir. Voilà. Ça sera terrible. Hein. Ça sera terrible. Hein. Tous les sorciers auront diarrhée. Ils t'ont mis en bas là-bas. Donc, c'est pour ça que quand tu ne vois pas, il y a des gens qui vont mettre. Parce que le sorcier les a cachés dans l'anus. Excusez-moi, on appelle ça anus. Cet organe-là, il n'y a pas un autre nom. On appelle ça anus. On dit odeur ne finit jamais là-bas. Odeur ne finit jamais dans l'anus. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un le met dans l'anus, il a un esprit de rejet. Depuis, quand tu es partout, personne ne veut te sentir. Tout est bizarre autour de toi. Parce que on t'a mis comme Kanumba dans l'anus. T'as foncé là-bas. Malheur pour toi, si tu es loin là-bas, c'est grave. C'est grave. On va prier pour qu'il ait diarrhée grave. Il t'est sorti. Nom de Jésus-Christ, on met le feu. Voilà, donc on va t'imposer les mains. Et puis là-bas, il va avoir diarrhée, son ventre va faire. Il va te déféquer. Et si tu as déféqué, l'anus où il t'a mis aura cancer. L'anus là deviendra cancéreux et ça va se généraliser dans son corps. Parce que c'est pas tout le monde en met dans l'anus. Et il va mourir, ça va jusqu'à son cœur. C'est ça. Ton Goliath, je suis venu faire tomber ton Goliath, frère. Je suis révolté contre la sorcellerie qui mine ta vie. Tu es là, tu n'as pas encore d'enfant. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore eu d'enfant. Ou bien ceux qui veulent avoir encore des enfants. Nous allons prier pour que Dieu puisse vous visiter. Je suis révolté contre les œuvres, la sorcellerie et dans ta vie. Frère, on a obligé de le dire. Ce n'est pas de la publicité. Jésus guérit les gens. Si Jésus ne guérissait pas, moi, Crasso, Joël, j'allais jamais croire en lui. Il est le Dieu des miracles. Il est encore capable de te guérir et de te restaurer, de te donner encore la vie et de pouvoir tous tes besoins, de restaurer ta vie et de te communiquer, n'est-ce pas, et une option financière. C'est possible. Voilà, c'est possible. Tout est possible en Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Voilà. Je le ferai. Il faut que tu partes investir au pays. Et ici, le royaume de Goumet, c'est Paris. Ici, là, les gens Goumet, quand ils ont AVC. Passez ici. Ici, là, Mohamed mange cocotier. C'est un endroit aussi. Ici, chien mange chien. Paris. C'est la plateforme de Nyeni. Donc la haute sorcellerie africaine repose sur Paris. Et le mot Paris veut dire parier. Et sur cela, je vais vous donner une action prophétique. Parce que la porte d'entrée de la France, c'est à partir de Paris.
Vous descendez d'abord à Paris et vous transitez par Lyon si vous voulez. Donc, c'est à partir des portes d'entrée que les choses se passent. Donc, nous allons, je vais vous donner une action prophétique terrible pour que tout ce qu'il y a à Paris à avaler sur vous, vous les restituiez. Dans la salle, j'ai une inspiration que Dieu me donne. Je ne donnerai pas ça dans cette vidéo. Mais en même temps, sous ceux qui peuvent avoir la tour Eiffel, le fer, la tour Eiffel, amenez-moi ça à la croisade. Chacun a pour lui. La tour Eiffel, je vais vous expliquer un peu. Amenez-moi ça. Chacun doit avoir ça. Achetez ça. Ça y est, quelque part là-bas, vous achetez-moi les tours Eiffel, ceux qui sont à Paris, ou bien ceux qui sont en France, qui aimeraient être au programme. Payez-moi ça, emmenez-moi. Chacun aura pour lui. Moi, il y a déjà pour moi, j'ai commencé à faire des actions. Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses ici au niveau de Paris, ici au niveau de la France. Je suis venu, frère, pour faire de toi un grand au nom de Jésus-Christ. La rencontre avec un prophète, c'est la grandeur. Donc, achète la tour Eiffel, la fer. Je n'ai pas d'aller te déplacer, tu ne peux pas soulever. Non. Les petits, on achète ça quelque part ici. Tu achètes, tu viens avec ça au programme. Depuis que tu travailles, on ne voit pas ton argent. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu nous donne le rhéma. Ouais, shalom le général Ludovic, shalom à toi. Dieu me donne le rhéma. Chaque fois, il y a toujours un rhéma. Dieu nous veut rentrer dans des mystères. Achetez ça, venez à ça en salle. Que chacun a pour lui. Tous ceux qui sont passés par la porte d'entrée de Paris pour transiter ailleurs, et c'est difficile, amenez-moi la tour Eiffel. Cette tour Eiffel, chacun va envoyer. C'est ce qu'on appelle l'action prophétique. Un prophète, il est dans le prophétique. Il est dans le prophétique. Amenez-moi ça dans la salle. Et vous allez voir la parole donnée. Vous allez voir cette action-là, elle, c'est sur 14 jours. Vous allez voir, l'argent va courir comme ça derrière vous. Ceux qui vous devaient ici en France, ils vont courir pour vous donner votre argent. Ils vous donneront votre argent. Frère, je suis rentré dans une autre dimension. Je l'ai même dit. Il y a des gens qui sont là qui vous disent sourire. Mais nous, nous matons la sorcellerie. Et une révélation pour toi. Ne rate pas ce programme de taille. Ne rate pas ce programme de taille. Frère, Dieu, faut que Dieu te délivre de cette situation. Le programme aura lieu le vendredi prochain, 27. Du 27 au 28, ici à Vitry-sur-Seine. Je vous donne le contact. Mon contact, c'est le 00337. Je reprends, 00337-62-40-24-84. Je reprends mon numéro, 00337-62-40-24-84. Vous appelez, n'est-ce pas? Qu'on vous donne l'adresse pour que vous soyez à la salle. Oh là là, la gloire de Dieu se manifestera dans la salle. Frère, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je vais vous expliquer un peu la connexion qui se crée entre la tour Eiffel. Je vais vous expliquer un peu Paris, ça veut dire Paris. Je vais vous expliquer. Je vais rentrer dans les mystères, dans les détails des mystères que Dieu m'a donné pour aider la diaspora. Vous avez besoin de ça. Les gens disent, ah non, vous venez, vous dites aux gens, venez, pour qu'ils reçoivent leur miracle. Mais ils vont venir pour recevoir quoi? Pour miracle? Ils viennent en ça, c'est pourquoi? Même la conversion est un miracle. Arrêtez vos conneries. La conversion d'une âme est un miracle. S'il n'y a pas miracle, ils n'ont jamais se converti. On n'appelle pas aux gens de... Attends, les gens vont venir, ils vont s'asseoir, venez prêcher. Mais prêcher l'évangile, c'est une chose. Et convertir, amener une personne à la conversion, c'est encore une autre chose. La conversion est un miracle. La conversion est un miracle. Non, on ne peut pas inviter les gens en salle pour les laisser, n'est-ce pas, en train de prêcher, discourer. L'apôtre Paul dit, ma parole ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la vie, mais dans une démonstration de la puissance. Enfin, que vos foi ne se repose pas sur les hommes, mais sur Dieu. Quand Dieu opère un miracle, tu ne crois plus à l'homme qui t'a prêché, mais ta foi monte vers Dieu. Le miracle, ce ne sera plus de miracle. C'est une vérité. Arrêtez de dire aux gens, vous parlez de miracle. Je parle de miracle parce que celui qui nous prêchons, ce Jésus, est le Dieu de miracle.
C'est parce que Jésus fait des miracles que nous avons cru en lui. Quand Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, les disciples ont cru en lui. Le Dieu que nous prêchons est vivant encore. Et nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. La résurrection, c'est un miracle. Il n'est plus dans le tombeau. Ça sera vraiment plus de miracles, frère. Je vais toucher la tête de tout le monde. Tout le monde sera visité. One by one. One by one. One by one. Tout le monde sera visité. Tout le monde sera visité. Ça, c'est important. Il y a un rhéma très fort pour la diaspora. Venez avec la petite tour Eiffel. Là. Achetez ça. À chacun sa tour Eiffel. Achetez ça. Et puis venez en salle. J'ai un rhéma pour vous. J'ai un rhéma pour vous. On va faire l'action prophétique. Depuis l'Afrique, tout ce qu'ils feront sur vous seront brouillés. Il y a même dans tous les plans de la franc-maçonnerie, ils n'aimeraient pas que les gens, les Africains, les étrangers, la diaspora, voilà, évoluent, seront si brouillés, détruits. Et vous rentrez dans la gloire et des percées. Dieu nous appelle à la libération. Dieu ne nous appelle pas à être dernier. C'est la vérité. Dieu nous appelle à la grandeur. Il dit à moi, Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu appelle à la grandeur. Dieu rendra ton nom grand. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc ne ratez pas ce programme. Merci pour les enfants spirituels. Nous sommes en train de nous organiser en tant que ministère de la compassion des âmes dans toute l'Europe. Voilà, dans toute l'Europe. Je vous informe que j'aurai une église ici. À partir du mois de juin, nous allons commencer les cultes. Pour encadrer, Dieu m'a mis en cœur dessus. De coacher et d'encadrer les gens. Dieu m'a parlé pour dire, au travers de toi, la diaspora va t'en sortir. Je te donne une notion spéciale pour aider la diaspora. Comme Dieu m'avait parlé il y a maintenant 20 ans de cela, Dieu me dit, j'étais loin pour aider la diaspora. Le Seigneur m'a parlé pendant au moins un mois sur le système mis en place par la franc-maçonnerie, sur le système mis en place par la sorcellerie, c'est ma spécialité. Dieu ne passera pas autrement. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Donc, cette croisade vraiment prend une allure spéciale. Beaucoup de choses changeront dans la vie des frères et sœurs. C'est ça une vérité. Il faut qu'il y ait une différence. Les gens, ils sont francs-maçons, ils prospèrent. Je vais vous montrer comment, pourquoi les gens, ils prospèrent. Pourquoi, soi-disant prospérité. Qu'est-ce que leur contact avec vous, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Non. Il y a beaucoup de choses à faire, frère. Les actions prophétiques. Du coup, toi tu tombes, les autres personnes évoluent, et c'est toi qui tombes tout en bourrique seulement. Très bientôt, je serai aussi en Italie. Une action pour les Italiens, la diaspora italienne. Une action pour ceux qui sont aussi en Suisse. Voilà. Une aussi. Il faut une différence entre nous et ceux qui ne servent pas le Christ. Il faut que la différence, il faut franchement cette différence. Oh, la puissance de Dieu sera à l'œuvre. La puissance de Dieu sera à l'œuvre dans ce programme, dans cette tournée. Voilà, cette tournée. Je suis là pour mettre une église sur Paris. Celui qui veut et qui ne veut pas, j'ai la caution de Dieu. Je commence mes premiers cultes dans le mois de juin. Voilà, dans le mois de juin. Quand on va boucler la tournée, je vais commencer à mettre les cultes. Je vais commencer à mettre les faire le culte. Nous allons faire le culte. Dieu m'a dit, à partir de toi, toi, j'étais loin pour aider toute la diaspora. J'étais loin pour aider toute la diaspora. Il m'a donné des révélations. Voilà, de Réma. Comment aider la diaspora? Frère, vous êtes là, vous tournez en rond. Vous tournez en rond, c'est Chocobi. On dirait que c'est dons vous a donné. Vous chocobissez seulement. Puis il n'y a rien dans vos poches. Il n'y a rien à faire ça. Ouais, Noli, ma fille. Il faut que tu viennes au programme. Le père va manger du tikliti au moins. Tu sais préparer, ma fille, le tikliti. Et le gros, gros saka. Je tenais à dire merci à M. Aïlé et sa gentille femme avec ce merveilleux plat de gros, gros et saka. Bon plat, ça. Quand tu manges ce plat, tu vas dormir. C'est comme si tu avais, n'est-ce pas, un somnifère. Mais va dormir, tu vas voir. Les révélations seulement sur toi. Les révélations seulement. C'est des moutards, les gens. Et les blancs. Jésus là, c'est joli, oh!
Mais ils n'ont rien, ils prennent chez nous, ils viennent fabriquer chez eux. Que Dieu ait pitié de nous. Pitié d'eux d'ailleurs. Où il y a vert là, c'est monnaie. Les quatre là, c'est là. Ici, là, même on dit. Faut faire ça. Au château rouge, il y a Tikliti. Eh, on n'a pas l'argent. Hein? Mm-hmm. Allons. Ah non, on prend la carte d'abord. Il faut prendre le ticket. Tu vas payer ça ailleurs. Non, de temps en temps, il faut rentrer dans le Tikliti. C'est important. De temps en temps, il faut manger le Tikliti, c'est important. De temps en temps. Sinon, je suis au régime. Je suis mon régime, très bien. Ça va. Ça me donne assez de souffle. Et suivez les régimes. Ludovic, pardon. Mon général, pardon. Faut courir un peu. Pardon. Dites pardon à Ludovic, mon général. C'est le général de les, voilà, le chef d'état-major. Il n'a qu'à courir un peu. Il va courir un peu. Parce qu'on a beaucoup à faire. Il doit aller implanter, il doit aller faire des affaires en Centrafrique. Voici qu'un gars qui doit aussi réussir en Centrafrique. Ce monsieur Ludovic. Voilà, donc il faut courir. À cause du cœur. Le cœur, c'est important. Mon fils, le cœur. Parce qu'il a lui que le ventre prend là à. C'est les quadruplés ou bien. C'est 4 bébés qui est dedans ou bien. Dis-moi un peu, c'est 4, 1, 2, 3, ou bien. C'est mon fils. C'est comme ça, je le prends toujours, on s'amuse. Mais il n'a qu'à faire sport. Le corps qu'on a là, c'est là, c'est le repos du Saint-Esprit. Il faut prendre soin du corps. Ça dit, il faut faire le sport. Voilà. Si ta main est sans grain la nuit, tu peux pas répondre au rendez-vous. Ouais, ou bien, son ventre, là, il y a 4 bébés dedans, ou bien. Ludovic, Mbiamo, va faire sport. Va, fais le sport. Faites le sport, c'est important. Le sport, il est important parce que ça permet de maintenir la forme. Et ça nous donne, ça réalise le cœur. Et c'est important. Comment tu peux manger sans graines à partir de 23h, heure du riz. J'ai un rendez-vous à 8h, mais tu as dormi, tu seras fatigué. Tu vas parler des sorciers qui a chié sur toi. Oh, bah, tu as mangé sans grain la nuit. Voilà. Oui, il y a des mangers, tu ne peux pas manger la nuit. On est en voûtement. Oh, sans grain, c'est doux, hein. Sans grain, c'est gravement doux. Mais hélas, si tu as mangé ça la nuit, frère, il faut aller faire sport matin. Mais d'ailleurs, quand tu manges sans grain la nuit, tu ne peux pas. Tu te lèves, tu es fatigué. Au travail même, tu dors. Au travail, tu dors. Nous-mêmes, on est spécialisés dans recoucher. Que Dieu nous pardonne. Que le Seigneur ait pitié de nous. Mais on est né dedans. On est né dedans. Ce qui fait que les recoucher, ah frère. Sarah, mais on a laissé. C'est tout, ma fille. Sans graines, et puis tu mets djoumblé dedans, ma fille, c'est ça. Tu mets djoumblé, sans graines. Mélange un peu de djoumblé. Mettre un peu de crabe dedans. Polo. Les poissons brochés. Tu vas rendre témoignage. Puis il y a le malo. Le riz. Mamma mia! Ça c'est bon à midi. Je ne conseille pas ça le soir. Quand tu manges ça à midi, tu rends témoignage. Mais le soir, mange salade. Mais Zadi n'aime pas manger salade le soir. Si tu dis un gars du village, il vient te rendre visite. Oh non, ici on est au régime, on mange salade. Il ne va pas dormir la nuit. Il va sortir pour aller fouiller dans la cuisine. Parce que lui, il a besoin. Il y a des gens qui mangent foutu à minuit. Je suis allé à Zaroko. J'étais étonné. C'est vrai que nous, on mangeait tard. Mais foutu la nuit, c'est sorceler ou bien. Comment il mange foutu? J'aurais dit, mais moi-même, là, j'ai fini à manger la nuit. Mais vous tous là, quand vous mangez la nuit là, c'est sorcellerie, vous voulez faire ou bien. Comment peut-on manger foutu sans graines à minuit ou à 1h du matin? On finit croisant, les gens sont sur foutu.
Il y a des choses vraiment faut laisser. Ça va te rendre malade. Ça va te rendre malade. Nos parents village depuis plus longtemps. C'est vrai qu'il y a sorcellerie, mais il y a mangé la mauvaise alimentation si elle est dedans. Les bêtés a fait des sauts graines, il faut rester tranquille. Mes parents maliens, leur a fait des sauces arachides. Voici une sauce encore, frère. Voici une sauce. Oulala, cette sauce-là. La sauce arachide, il faut mettre d'abord dedans. Tu manges même, tu peux même avaler la cuillère. Tu dis avaler la cuillère. Comme tu es étonné que la cuillère se retourne dans l'estomac. Mais il y a opération dedans, elle a été opérée. Donc, la sauce graine arachide, c'est lourd, c'est gras. C'est vrai, c'est doux, c'est vrai. Il y a cholestérol dedans. Donc il faut faire sport. Il faut faire sport. Moi, maintenant, je fais doucement. Je vais doucement, doucement. Je vais doucement, doucement. Il y a beaucoup à faire. Sinon, moi, mon affaire de sauce arachide. Mon affaire de sauce arachide. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Laisse ça même. Vous ne pouvez pas parler, laisse. Mais il a compris. C'était pas facile, hein. Mais de temps en temps, je reviens un peu dedans. Ah. De temps en temps, même si on dit régime, c'est pas pour me tuer ou bien. Même si on dit c'est régime, c'est pas pour me tuer. Donc de temps en temps, il y a ce qu'on triche un peu dans le régime. Je triche. Parce que je suis né dedans, frère. J'ai fait comment? Mon estomac n'est pas habitué à pizza. Mon estomac n'est pas habitué à salade. Maintenant, il mange salade le soir pour dormir. Et Dieu, il mange petit fruit. Avant, ça me fatiguait. Voyez, ça me donnait l'insomnie, mais en même temps, ça me fait prier. Tu manges petit, tu ne peux plus dormir la nuit. Tu vois les flash. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de manger sans graines à 20h, paquet comme ça, il mange pour dormir. Et on lui dit, vous mangez salade aux fruits, salade de fruits. Et puis les. Salade de fruits, des fruits, un petit morceau de poisson. Est-ce qu'il va dormir la nuit? Ça va le fatiguer dans les premiers jours. Son ventre va faire grrr, 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 grrr. Puis après, le corps c'est comme ça, ça va s'adapter au fur et à mesure. Ça s'adapte, c'est comme ça. Ouais. Parce que quand tu manges trop, j'arrêtais l'eau glacée. Moi, on m'a fait de l'eau glacée. Moi, on a fait de l'eau glacée. Je bois ça avant d'aller dans le lit. Mais ça fait enfler le ventre. On dirait que tu es enceinte. C'est dangereux. Ton tricot, on dirait Spencer. Ça fait que même mon tricot, c'était comme Spencer. Je pense que tricot vend la même, c'est Gaïa. Je suis enceinte ou bien. Donc, j'ai arrêté l'eau glacée. Hein? Mais les sorts, je suis commencé à arrêter un peu les sorts. Mais les sorts, quand tu manges, frère, tu es obligé dans la semaine de revenir là-dessus. Parce que ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Sinon, mon affaire de l'eau glacée. Ya, mon frère. Ya, mon frère. Non, mon affaire de l'eau glacée. Mais on dit ça, ça enfle ventre. Ça fait grossir ventre. Vendre l'air devenu en forme. Dis quand ton petit t-shirt là, XL, c'est devenu Spencer. Quand tu portes même vendre la même sorte, côté, il y a quoi mon frère? Tu es enceinte ou bien? Tu es enceinte ou bien? Voilà, parce que ça magazine. Ça s'emmagasine, c'est bizarre. C'est pour ça qu'il faut faire le sport. Moi je m'adonne au sport à cette pratique. C'est la mauvaise hygiène alimentaire. C'est la mauvaise. C'est ça. On mange mal. On mange mal. Non, c'est important. On mange mal. On mange mal. On fait comment? On est né dedans. Un enfant, il a déjà 6 mois au village, au bled, il commence à manger sauce graine. Et les parents lui donnent son graine à manger. On s'entraîne à ça. 6 hein? mois, c'est sauce graine. Hein? Quand tu laisses sang de ta maman, tu dois manger sauce arachide. C'est pas non, les biscuits, les goûters. Tu as mangé ça comment? Papa n'est pas en fait de goûter. C'est aujourd'hui, il en a choucouillant. Hein?
Sinon, c'est Sogren qui a goûté. Hein. Ah, c'est Sogren. La femme pleure, après, il a laissé ça. Il est dans Sogren. L'enfant, il pleure. Hein, hein. C'est sans arachide, il mange. On dirait le reste de la nourriture de midi, là. Il a vu, mais ça, il mange. C'est comme ça. Voilà, donc tout va bien. Je suis en train d'aller à Orléans. Voilà, rendre visite à Jean Roch, notre enfant spirituel dans la ville d'Orléans. Voilà, donc appelé déjà pour... On a pris pour vous. Garba le matin. Garba, je n'aime pas trop Garba. On dit que c'est la nourriture des pauvres. Peut-être que vous serez choqués. Mais Garba, je ne mange pas ça. Je mange un chicken poisson. Poisson salé comme ça. Va te donner AVC. L'œil, là, quand tu vois André, œil de moteur, c'est noir comme ça. Ça va noircir ta chance. Il y a des pauvres à la maison, bien ça. Quelqu'un qui met un enfant qui mange trop garba, il serait un petit voleur. Un microbe. Va te piquer un matin. Ouais, c'est la nourriture des pauvres, ça. Ça envoie l'esprit de pauvreté. Un enfant qui est habitué à trop manger garba, un matin il sera microbe. Il va te braquer dans la maison. Il va fuir ton confort. C'est la vérité, il va fuir ton confort. C'est un microbe. Et tu n'auras pas d'eau javel pour le tuer. Il y a bon. Ah ouais. Moi, garba et moi, on n'est plus camarades. Quand vous regardez la lutte de la Oucha, là, vous comprenez que garba, là, c'est quelle huile on prend pendant un mois, ces mêmes huiles-là. On utilise pour faire cuire tous les poissons. Tu peux payer ton poisson ton, faire à la maison. Mais allez au Gabadrop, tu vas avoir l'esprit de pauvreté, l'esprit de microbes. Tu vas piquer dans les braquets matin tes parents. Tous les microbes, c'est les gens de Garba. Mais si tu as mis des mains Garba, c'est tellement fait, ça a checké les poissons ton. Pourquoi pour elle, c'est sali? La question. Et regardez comment ils font les poissons. Les meilleures huiles, là, c'est un mois, ça est dedans. Jusqu'à il a dit, pardon, il faut me verser maintenant. C'est là où je l'ai compris, il verse. Sinon, c'est noir pour noircir ta chance. Mais un enfant m'a dit, Garba, il va donner le micro, il va te piquer. Il va dire, hé, maman, il faut que je te pique. Il y a quoi? Donne-moi l'argent. Il va te piquer. Dans les quartiers, je n'ai pas trop envie de visiter Abidjan. Il y a l'esprit de micro là-bas. Voilà, donc demain je serai à Bruxelles. J'arrive à Bruxelles pour les affaires personnelles. Je vais en profiter pour aider les gens. Et puis en profiter pour le comité d'organisation. Donc, et mon fils, Sila Prosper, Shalom. Voilà, donc appeler maman Bessora déjà. Tu vois un peu. Je serai à mardi en Allemagne. Par la grâce de Dieu. Mardi en Allemagne, et puis bon. C'est un lendemain mardi. Et je serai de retour sur Paris le jeudi. Voilà. Sinon, tout va bien. Tout va bien. Mon séjour se passe très bien. Je suis bien mes régiments. Bien, bien, bien. C'est au pays là-bas, ça me fatigue. Aïe, 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 aïe. Parce que quand tu traverses le salon que la servante prépare, tu es attaqué. Ton cerveau est attaqué. La sauce graine au feu. Tu veux que tu regardes le régime et la sauvegarde qui t'attaque tes narines. Tes narines sont envoûtées. Et l'envoûtement rentre dans ton cerveau. Tu oublies de dire à la servante, s'il te plaît, tu peux me servir un peu. Ça nous fatigue. Oh, la servante te dit, mais patron, j'ai un petit régime, non? Tu dis, ben, c'est pour toi la maison, c'est pour moi. Donne-moi à manger et manger. Donc c'est ici, là. On fait un régime. Et ça nous va beaucoup. Il n'y a pas de problème, ma fille, il n'y a pas de problème. C'est un combat là-bas avec la sauce. Là-bas, c'est un combat.